finale de 5 tours, je crois. Et c'est le sort numéro 8 de Montmagny, Jacob Robin, qui avait pris la première position, mais vient de se faire Damien Pion dans le sort numéro 10. Zachary Corriveau de Saint-François. Je ne sais pas si c'est Saint-François de Beaumont-Jouet ou Saint-François de Montmagny, mais il y a le couteau en tévant qu'il. Hey, les gens de Saint-Alexandre! Déjà sur le Red Bull, à ce moment-là, ça va être beau, cette heure-là. Dans le centre-ville, à Petite Gare, parce qu'on se donne rendez-vous. Je ne sais pas si je pense que c'est ça. Petite Gare. Zachary Corriveau qui est en feu, le sort numéro 10. Suivi de très très près, petit sort numéro 8, Jacob Robin de Montmagny. En préparation, s'il vous plaît, à la catégorie 65cc, on se prépare, c'est la prochaine finale qu'on va avoir. Rien changé, toujours le sort numéro 1. 10, Zachary Corriveau qui est en première position. En deuxième, rien changé aussi de ce côté-là, c'est le sort numéro 8. Jacob Robin, le fils de l'autre, Maxime. Dernier tour dans cette première finale. On est dans la catégorie Pee-Wee Participation. On va les coureurs âgés entre 4 et 6 ans. Il vient chercher le drapeau à Damien. Le dessin numéro 10, Zachary Corriveau remporte cette première finale en deuxième position, pas très loin derrière le dessin numéro 8, Jacob Robin de Montmagny. Et pour la troisième position, le dessin numéro 17, 27, pardonnez-moi, merci, Joe Manéjac, mon assistant. Le dessin numéro 27 de Saint-Alexandre. Hey les gens de Saint-Alexandre, c'est votre coureur qui est venu en troisième position. Il va mériter une belle plaque.